Regardez comme il était chaud, c'était il y a 4 ans. Allô les gars. Wesh, non, il était vraiment super chaud ce mec. Et eux, ils sont même pas choqués parce qu'ils font ça tous les jours. Il y avait des techniques de malade, le parapluie, 3-6, no scope. Oh là 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 là, c'était trop beau. Wesh les mecs, c'est Natux aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature, on va tout simplement réagir aux meilleurs highlights de Fortnite les gars. On va réagir aux highlights qui ont été le plus populaires sur Fortnite pendant le confinement, avant le confinement et tout. Vous allez voir les gars, il y a vraiment des highlights de malade. On va réagir à des trickshotters, à des mongrals, à des faceways. Vous allez voir les gars, la vidéo est vraiment incroyable. Et si jamais vous avez pas connu cette époque, regardez-la quand même. Ça peut vous montrer un petit peu comment c'était le prime de Fortnite. Dans tous les cas les gars, il y aura un mot caché dans la vidéo. Tous ceux qui le trouvent les gars, mettez-le en commentaire. Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo en entier. Merci à vous les gars, vous des boss. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. On est bientôt 100 000 abonnés les gars. Abonnez-vous pour faire partie des gens qui étaient là avant les 100K, ça fait super plaisir. Et pour ceux qui veulent vraiment me soutenir les gars, n'hésitez vraiment pas dans la boutique à mettre le code créateur Natux, N-A-T-O-X, en majuscule ou en minuscule, on s'en fout, vous acceptez, ça me soutient énormément. Merci à tous ceux qui le font. Et sur ce, je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo. C'était Natux et bonne vidéo les mecs. Ok, du coup les gars, on est directement parti. J'ai tapé highlight Fortnite. On va mettre les highlights de moins de 4 minutes. Du coup, j'ai mis les plus populaires. Comme vous pouvez le voir, on a Dodo EU qui a déjà 76 millions de vues. Il est encore là avec 25 millions de vues. Ensuite, on a Booga qui fait sa World Cup. Ensuite, on a Lemonade. Vraiment, on a The Box encore de Dodo EU. On va se regarder plusieurs highlights différents et je vais vous montrer que c'était vraiment les meilleurs highlights. Il y en a peut-être que vous avez déjà vu, mais on va se remémorer des bons souvenirs. Dites-vous que c'était déjà il y a 4 ans. Du coup, je vais déjà vous passer cette masterclass qui est le meilleur highlight Fortnite. C'est que des trickshots pendant tout le highlight les gars, vous allez être choqués. Vraiment le highlight il est trop bien. Bon, c'est pas le meilleur genre en mode clip, mais c'est que des beaux clips que j'adore. Genre c'est que des trickshots, tu vois, y a pas de full box, full piece, je sais pas quoi. Et c'était pendant le confinement, c'était super bien le confinement. Comme vous pouvez le voir, y a que des clips au trickshot. C'était à l'époque où il y avait quand même pas mal de bots sur le jeu. Et moi j'adore vraiment genre cette époque là, je me souviens, il y avait tellement de bons souvenirs. Scar mythique et tout de Sky, il y avait le requin. En plus Dodo U, il est chaud raidé hein. Ça c'est, dites-vous que c'était à 4 ans, il faisait des triple edit et tout. Petit 3-6 no scope. Moi j'adorais ce genre de clip. Je me rappelle avant quand je faisais des highlights, j'essayais de faire comme lui. Je pense que tout le monde a déjà essayé de faire comme lui. Pour ceux qui l'ont jamais connu les gars, c'était un youtubeur qui faisait que des vidéos comme ça. Et comme vous avez pu le voir, ça paye hein, parce que 76 millions de vues, un highlight Fortnite. Allo les gars, c'est même pas un clip YouTube ou je sais pas quoi hein. C'est un highlight Fortnite qui a fait 76 millions de vues. Regardez comme il était chaud, c'était il y a 4 ans. Allo les gars. Wesh, non, il était vraiment super chaud ce mec. Je sais pas s'il continue les vidéos, on va aller voir sur sa chaîne s'il continue ou pas. En plus le highlight il est vraiment pas très long, c'est 2 minutes à peine. Et il y a même pas de montage. C'est que des clips et dites-vous que ça fait 76 millions de vues. C'est vraiment une dinguerie. Les clips sont vraiment bien. Il essaye de tenter des petits trucs. Les gars, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que ça c'est que le début hein. C'est un super bon highlight mais c'est pas le meilleur. Ça c'est qu'un highlight au tête au snipe. Que des bons clips satisfaisants, tu vois, avec des noscopes, des petites balles de snipe. On va se regarder un petit dernier clip. Hop, quadruple edit, hop, et noscope. On va tout simplement voir si Dodo EU il fait encore des vidéos. Et là, sa dernière vidéo c'était il y a 3 mois. Donc en vrai ça va hein. Il continue quand même de percer avec ses vidéos highlight. Du coup je fais un petit demi-tour en arrière. Ensuite on a la vidéo de Booga. Donc celle-là c'est juste une vidéo de présentation de sa World Cup. Celle-là c'est Dodo U, c'est encore le même. Du coup on va se regarder la vidéo de Mongral les gars. Il était obligé d'être dans le top les gars, c'est Mongral. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai déjà vu parce que ouais, je l'avais déjà vu à l'époque. Celle-là aussi je m'essayais de m'inspirer pour l'intro et tout, mais vu que j'étais sur PS4 c'était un petit peu compliqué. Mais les gars, ce genre d'highlight c'était vraiment trop satisfaisant aussi. Regardez comme c'est smooth, c'est trop beau. Surtout que là c'était les clips de Mongral Prime les gars. Là c'était vraiment les clips Mongral Prime. Oh là 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 là, avec son petit son du jeu. Là il va tuer Benji Fishy je crois. Voilà, NRJ Benji Fishy. Là il était en team avec lui. Là il est avec Benji Fishy, en fait il a tué son mate de l'époque. Les clips sont pas incroyables, mais dites-vous que c'était il y a 4 ans. Donc faire ça il y a 4 ans c'était vraiment un banger. Surtout que là c'est en arène avec 10 000 points. Il y a des clips en cup. Sa POV elle était vraiment trop rapide. J'aurais tellement aimé avoir cette POV à cette époque. Bon après il était joueur pro quand même. Mais je trouve que le prime de Mongral les gars c'était vraiment un banger. Genre maintenant Mongral tu le regardes il est fort mais pas autant que là. Genre là, même s'il est pas si fort que ça, mais c'est son prime les gars, wesh. Si vous l'avez pas connu à cette époque là les gars, vous avez vraiment loupé quelque chose. De toute façon c'était un chapitre 2 hein. Les gars, il y a deux primes. Chapitre 1, saison 4 et tout, saison 7. Et chapitre 2, saison Midas et Stark Industries, deuxième prime. Les gars, après les autres primes, ils étaient bien mais pas autant. Là c'était, il y avait le Space 12, Scar et tout. Non vraiment en fait, c'était la meilleure méta plus la meilleure map. J'ai kiffé cette saison moi, c'était pendant le confinement en plus, moi j'adorais. Il y avait le requin, Scar mythique et tout. Oh là là, c'était trop beau. Bref, le highlight est fini. Bon les gars, c'est du Mongral hein, c'est un banger. 5 millions d'abonnés. On va passer directement au suivant. Le suivant c'est Radius les gars, on est directement parti. Il avait demandé 10 likes, il en a eu 350 000. Donc là je crois
3 c'est aussi un highlight avec des trickshots. Ah non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Wesh, il est fort, il fait des cups et tout. Ok, 200 IQ, wesh. Wesh, non mais attends, il est chaud. La petite date de quand? 3 ans, mais wesh, en fait les gars, il y a 3 ans, les mecs, ils étaient déjà super chauds. Ok, non, lui aussi, il est super chaud, gros. Il a 18 000 points d'arène. Je crois mon record de points d'arène, c'est 14 000. Mais j'ai jamais vraiment tryhard. Mais il y en avait qui avaient des 40 000 et tout. Non, ils étaient trop chauds. Les gars, comme je vous ai dit, hein, regardez, tous les highlights qui ont percé sur Fortnite, c'est cette époque-là. Stark Industries, Timmy Stack et tout. C'était à l'époque où il y avait le chasseur, l'Ascar, le Space 12, les répules, le lance-grenade, lance-roquette et tout, c'était vraiment trop bien. La meilleure saison de Fortnite, les gars. Et aussi le chapitre 1, mais ça peut pas détrôner ce... En fait, c'était la meilleure saison pour les highlights. Là, il est en cup, 23 kills, moins 200. Ah oui, bah c'est à l'époque où les super-héros sont arrivés, les gars. Les super-héros full black, pour ceux qui connaissent. Oh là là, avant, on pouvait pas mettre le super-héros en full black. Enfin, on pouvait, mais maintenant, on peut plus. Genre, tout noir ou tout blanc. Et bah en fait c'était trop cheat, du coup ils ont enlevé ça Fortnite. Donc c'est pour ça que vous pouvez plus le mettre en noir. Mais c'était à cette époque là. Là on a clicks, là on a une vidéo Party Girl. Je crois qu'on va se regarder celle là les gars, parce que Party Girl, quand tu... En fait quand tu voyais ce genre de miniature avec un sniper comme ça, c'était une vidéo trickshot. Du coup vous allez voir, c'est sûr, regardez. Là c'est une vidéo trickshot, c'est sûr à 100%. Un mec avec un sniper en intro. Là par contre les gars vous mettez code Natux, hein, ça fait plaisir. Oubliez pas, et voilà, là on va se regarder un bon highlight de trickshot. Encore une fois sur la map chapitre 2. Oh là 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 là. Et eux ils sont même pas choqués parce qu'ils font ça tous les jours. Il y avait des techniques de malade, le parapluie, 3-6, no scope. Oh là 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 là. C'était trop beau. Il y avait tellement de trucs à cette époque. Maintenant on se retrouve avec quoi les gars? Avec des pouvoirs mythiques, je sais pas quoi, qui nous redonnent des PV, frère. Nous on s'en fout, on veut juste des barrettes et des space 12. Regardez, Scar mythique. Les gars, comme je vous ai dit, hein, tous les highlights qui ont percé, c'était à cette époque-là. C'était le vrai prime de Fortnite. Parce que le chapitre 1, c'était le prime parce que c'était un nouveau jeu. Chapitre 2, c'était le prime parce que c'était le meilleur jeu, wesh. Oh, j'aimerais tellement... Les gars, je donnerais tout pour revenir à cette saison. Même si... je crois qu'ils vont remettre d'ailleurs le chapitre 2. Ils vont le remettre, mais ça sera pas comme avant. Comme le chapitre 1, c'était bien, mais c'était pas comme avant. Mais le chapitre 2, les gars, j'aimerais tellement revenir, en fait, au confinement. Tellement bien. Ouais, ils ont fait des setups pour le trickshot de malade. De malade, comme dit Adelorent. Ah oui, c'est Zell là. Tout le monde les joue et c'était gratos. Un petit peu de clip aux pompes pour ensuite partir avec un trickshot. Regardez ça, je pré-shoot. Voilà, trickshot. Le barrette, meilleur sniper du jeu. Oh là 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 là. La ghoul, je crois qu'elle était jamais ressortie. Du coup, là, elle était super rare. C'est pour ça qu'il l'a joué. Et quand tu faisais des trickshots, t'étais obligé d'avoir un combo rare. Là, il avait le sac à deux chevaliers noirs. Sinon, il mettait la ghoul. Et regardez sa team. Hein. Il y a un mec qui a le colorat. T'es obligé d'avoir des skins rares. Sinon, ton trickshot, il était pas validé. Wesh, il a failli la mettre. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner, ça me soutient énormément. Comme je vous l'ai dit les gars, je compte sur vous. Le mot caché de la vidéo ce sera tout simplement The Box. Écrivez The Box en commentaire, comme ça on verra les vrais qui sont restés jusqu'ici. Oubliez pas le code créateur Natux, ça me soutient. Go les 100k. Et sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. C'était Natux et ciao les mecs.